Yo. Ah, bon, vous êtes encore à l'intro, vous. Oh là là, c'est long. Bon, bah, salut tout le monde. Un petit peu de monde ce soir, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce soir, on fait pas. Oh merde, intro express. Ah bon, pourquoi express? Tais-toi! Je pense qu'il y a le chien là, il y a le grenier là. Viens. Reste là. Ouais, donc ce soir je fais pas. Normalement j'étais censé faire l'année 90. J'ai pas envie, ça va durer 3 ans, j'ai pas envie ce soir. Donc ce soir on fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que tu m'envoies là? AST là. Preview Shadow of the Beast menu. Amstrad CPC plus ASIC test. Ouais, bah quoi, c'est l'animo de. D'Overflow, non? Ou pas. Attends, alors, on va mettre ça, on va regarder vite fait. Ouais, celui-là, truc d'Overflow. Ouais, c'est ça. Waouh. C'est pas très fluide les scrolls quand même. Bref, on s'en branle. Oui, bref, voilà. Donc, j'avais pas envie de faire l'année 90 et puis j'avais pas le temps de préparer. Donc, en fait, ce soir, je vais faire Barbarian 2 parce que c'est un jeu que j'aime bien. Un jeu qui est pas mal critiqué parce que trop comparé au premier du nom. C'est pas un mauvais jeu. Bon, c'est pas très très beau. Il y aurait moyen de l'améliorer quand même graphiquement, mais bon. On s'emmerde avec ça. Et puis le deuxième jeu, ce sera The Dawn of Carnell. Qu'un jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Qui est pas trop mal. C'est un bon petit jeu, bien sympa. Donc on fera ça après. Voilà. Voilà. On va passer à la scène de jeu. Ah oui, tiens. Ah oui, j'avais laissé exprès. Petite preview de notre ami Zisquire. Qui en est là, donc à déplacer son petit sprite là qui se déplace, qui est masqué. C'est tout mignon. Il y a un petit multimode en dessous. Voilà, je crois pas que ce soit sa dernière version parce que là, le multimode il merde un petit peu, mais voilà. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien. Il avance tranquillement. C'est un des rares qui a eu le courage de continuer. Hein. Les autres ils ont tous laissé tomber, mais bon. Hein, le coding c'est pas fait pour les petites filles, hein, c'est bien connu. Donc voilà, c'est bien, ça avance, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez hop, on va passer à Barbarian 2. Or, je prends la version cartouche. Hein. J'ai envie de me faire chier. Alors, c'est la version disquette, et puis on s'en branle, de toute façon, c'est le même jeu. Donc, alors, je suis dans quoi? Non, je suis pas dans mon dossier. Voilà. Voilà, alors surtout, j'ai trouvé une petite astuce. Parce que dans ce jeu, il y a un ennemi qui est particulièrement pénible au troisième niveau, qui est un espèce de nain à la con là, avec une hache. Là, et quand il vous tombe sur la gueule, bah, en gros, vous êtes mort parce qu'il arrête pas de vous taper, il n'y a aucun moyen de le tuer quasiment. Et en fait, je me suis rendu compte l'autre jour que. Yomi, à ce moment-là, je me suis rendu compte l'autre jour qu'en fait, en appuyant sur pause, bah, ça fait disparaître l'ennemi qui est en cours et ça en fait. Bah, c'est comme si on le tuait en fait. Donc, c'est un espèce de cheat mode tout pourri. C'est que si vous voulez finir le jeu sans tuer qui que ce soit, bah, vous appuyez sur pause à chaque fois que vous voyez un ennemi, puis il va disparaître. Alors c'est pratique quand par exemple il y a un ennemi de l'autre côté d'un trou, vous n'avez pas envie de vous casser la gueule. Bon, moi je vais prendre le guerrier parce que c'est pas un jeu de fillette, donc je ne vais pas prendre la guerrière. Et puis comme elle ressemble pas vraiment à Maria Whittaker, ça m'intéresse pas. Allez, c'est parti. Alors, ta gueule toi, oh, dégage. Moi je trouve que le gameplay est plutôt bon de jeu. Je
Je trouve que c'est plutôt maniable. Oh, ta gueule, putain, me fais pas chier. Qu'est-ce qu'il est lourdeau, lui. Voilà, donc en gros, en appuyant sur en bas, on change de sens. En appuyant sur en bas et fire, on fout un coup d'épée. En appuyant sur en bas et diagonale, on fout un coup de pied. Fire et gauche, c'est pareil, c'est le coup de pied. Et on a le fire en haut qui donne le coup de hache comme ça. Ta gueule, je monte tes coups, si t'évites de me déranger. Si, il y a du son. Ah non, je l'ai coupé. Ah ouais, effectivement. Bah, attends, je vais le remettre. Il est coupé sous OBS. Voilà. Là, maintenant, il y a du son. Merci, Fred. Parce que du coup, je ne le voyais pas. Normalement, là, vous avez du son. Ouais, c'est bon. Voilà. Et on a le coup pour décapiter qui est Fire et puis la direction opposée dans laquelle vous allez. Comme ça, quoi. Et on peut courir en appuyant sur en haut et sauter, du coup, en appuyant sur Fire. Voilà. Alors, on peut rentrer dans les trucs en faisant une diagonale. Donc là, par exemple, il y a un connard. Moi, je pourrais très bien faire pause et sauter après, puisque l'autre, il serait disparu. On ne va pas jouer au con. Bah. Moi, généralement, lui, on peut lui sauter par-dessus. Hop, et certains ennemis, comme ça, on s'en fout un petit peu. Il va reculer, d'ailleurs. Donc, dans chaque niveau, il y a deux objets à récupérer. Voilà, je sautais par-dessus. Vous ne l'avez pas vu. Ah merde. Ah si, là, vous avez du son, là. Moi, je le vois, là. Je vois audio du bureau. Ah, vous avez du son. Quand je tape, ça fait pouc. Hop, allez. Tiens, on va essayer de lui couper la tête. Ah, loupé. Loupé. Donc, on peut couper la tête de certains. Et vous me cassez les couilles avec le son, là. Je le vois sous OBS. Hop. Je vais vous monter le son. Hop, ta gueule, toi. Sound. On va le mettre à 3 ou à 4. Voilà. Comme ça, là, vous aurez du son. Oh merde, tiens, il y avait une vie. Ouais, je vais la prendre. Parce que même si notre compteur il a que 5 vies au-dessus, ta gueule, toi, on peut en avoir plus. Alors, on va essayer de trouver ta gueule. Alors, lui, il peut nous bouffer la tête, cet enfoiré. Au jeu, il est pas trop difficile. Hein. Normalement, on va réussir à finir. On perd surtout du temps à trouver les objets, puisqu'il les faut absolument pour finir le jeu. Comme des gros sprites. Hein. Des gros gros sprites. Alors. Ah, bah tiens, là il y a un objet. Oh, lui, il casse-couille, lui. Quand il s'y met. Voilà, ta gueule. Pas sauter par-dessus. Donc voilà un des objets. Alors, je sais plus à quoi il sert. Dans la notice, c'est marqué. Alors, il y a un objet qui vous donne de l'énergie infinie, on va dire. Il y en a un autre. Il est où? Ah. Il y en a un autre qui permet de battre un des monstres à la fin du jeu. Enfin voilà. Ce genre de truc. Ta gueule, toi. Bah, je vais être obligé de le tuer si je veux récupérer la vie. Ça m'en fera plus que. Le départ. Alors en bas de l'écran, il y a une espèce d'épée qui nous indique des directions. Alors en fait, si on lit la notice, ça nous dit que l'épée indique le nord. Sauf qu'en fait, bah, c'est un peu naze. J'ai jamais réussi à faire une note du jeu d'ailleurs, mais en général, elle indique plutôt la sortie du niveau, la fin du niveau. Alors quand on arrive à la fin du niveau, en bas à droite, le truc level clignote et puis il y a un son à la con moche. Bon, c'est pas une merveille sonore. Hein. Moi, d'ailleurs, ils auraient pu mettre une petite musique, ça aurait été sympa. Après, ils étaient peut-être en mal de temps machine, j'en sais rien. Parce que, vu déjà qu'ils doivent convertir les graphismes qui sont dans une résolution à moitié bâtarde en RAM, ouais,
faudra lui refaire toutes ses routines d'affichage à jeu, en fait. Ah, ta gueule, mais qu'est-ce qu'il est chiant, ce piaf. Alors, des fois, il vous colle aussi le long d'un mur, lui, et puis il vous bute bien. Bon, faut que je trouve le deuxième objet. Et voilà. Alors, quand on tombe au bord d'un trou, faut savoir qu'on peut se rattraper en faisant gauche-droite rapidement. Alors, voilà, là, c'est la fin du niveau, donc je vais pas y aller puisque j'ai pas le deuxième objet. Et qu'il me le faut absolument trop tard. Bon, bah là, je suis tombé, c'est pas grave, je vais réapparaître de l'autre côté. J'avais des vies d'avance, donc c'est pas la fin du monde. Alors, lui, il y a une technique. On le tape, on fait deux pas. On le tape, on fait deux pas. Merde. Voilà. Et on le coince au bout de l'écran. Et comme ça, merde. On va réussir à être synchro. Il y a moyen de le coller au bout de l'écran et de le taper en boucle. Voilà, comme ça. Comme ça, on gagne du temps. Puis un peu chiant aussi. Le bestiaire, hein, c'est varié quand même. Il y a quand même pas mal de bestioles différentes. Alors, le gros lourdeau, là. Je les trouve plutôt marrants, les monstres. Il y a de l'idée, quoi. J'aime bien le gros monstre vert qui vous bouffe la tête aussi, ça me fait assez triper. Oh, ta gueule. Oh. Ah bah voilà, un gros monstre vert qui vous bouffe la tête. Connard. Ah putain, je suis à l'envers, ta gueule. Oh là là, l'enculé, il me bouffe deux vies. Là, j'ai rien pu faire. Hein. Allez, dégage. Sale con. Bon, ils sont pas très très durs à tuer en général, à part l'espèce de nain vert de merde dans le niveau 3, qui est particulièrement pénible. Alors on peut être ouais, comme ça, entre deux écrans. C'est un moitié bâtard des fois, mais ça peut être pratique aussi. Hop, non plus bon, j'avais envie d'y jouer parce que bon, donc le Ced y a joué l'autre jour et il a un peu massacré le jeu parce que bah, il sait pas y jouer, donc forcément les gens qui savent pas jouer à un jeu ils disent que le jeu c'est de la merde. Ça m'énerve parce que c'est pas vrai. Donc j'avais envie de montrer ce jeu qui est pas si mal que ça, même s'il est assez moche. Et encore je dirais que le premier niveau ça va, hein. Vous allez voir les suivants, le choix des couleurs. Hein. Pas toujours ça. Hein. Bon, allez, on va essayer. J'y vais au pifomètre. Hein. Ah bah voilà, il est là le deuxième objet. Il est là, c'est un bouclier. Ah, il est chiant, lui. Alors, il y a des ennemis qui se foutent de votre gueule aussi dans le jeu, des fois, quand vous tombez. Voilà, bah, lui il tombera. Plus de tête. Et il y a des ennemis qui se foutent de votre gueule, qui rigolent. Allez, maintenant on va essayer de retrouver de la sortie. Bon, là je vais pas suivre l'épée tout de suite parce que sinon ça me renvoie d'où je viens. Je vais d'abord passer 2-3 écrans. Waouh, espèce de connard. Allez, ta gueule! Putain, des fois quand ils s'acharnent, ils sont vraiment plus couillants. Allez, là on peut se rattraper en faisant gauche-droite. Comme quoi le gameplay est plutôt pas mauvais et plutôt varié. Sauf qu'il n'y a rien de plus sur CPC+. Ouais, bah on s'en branle. C'est pas pour ça que le jeu est mauvais. Alors c'est sûr, c'était un peu facile de faire ça, mais dans ce cas-là, la plupart des jeux CPC exploitent pas le CPC, donc c'est de la merde aussi, quoi. Non, faut pas juger un jeu à ça, faut juger un jeu s'il est agréable à jouer, si on prend du plaisir à y jouer et s'il est intéressant. Et là, c'est le cas, moi personnellement, j'aime bien le jeu, je le trouve carrément jouable, sauf quand il y a des ennemis de merde dans ce style-là. Mais non, le jeu est bon. Le jeu est bon, mais c'est pas parce qu'il n'exploite pas le CPC+ que ça en fait un mauvais jeu. Hein. C'est juste que ça en fait une conversion rapide, quoi. Ça, il y en a eu plein, hein.
Salut Thomas. Mais juger un jeu sur CPC+ parce que... Oh, mon Dieu, il n'exploite pas le CPC+. Oh, bah attends. Dans ce cas-là, t'as plus rien. Hein. Sur CPC, 98% des jeux, c'est des spéciports. Alors dans ce cas-là, c'est pareil. On n'a que des jeux de merde hein, dans ce cas-là. Ta gueule, il va me bouffer la tête, cet enculé. Allez, normalement on ne devrait pas être loin de la sortie. On y va, en espérant qu'il n'y ait pas un monstre à la con. Hop, voilà. Alors avec un peu de chance, c'est là. Ouais, c'est là. La sortie est là. On y va, on a fini le premier level. Si cette espèce d'empaffé arrête de me foutre des coups dans la gueule. Ah, loupé. Il me loupe pas par contre. Tiens, par contre, je perds plus d'énergie. Donc, à mon avis, le bouclier que j'ai pris me permet de perdre beaucoup moins d'énergie ou plus en perdre du tout avec la plupart des ennemis. Je sais pas du tout. Allez. Niveau 2. Alors voilà. Alors là, c'est clair, c'est moche. Mon Dieu, la palette, quoi. Et puis les graphes, quoi. Ça fait vraiment grave dégueulasse qui ont été transférés par toucher, quoi. Le décor, il est juste immonde, quoi, là. Moyen de faire beaucoup mieux que ça avec des vrais effets d'ombre. Alors, en général, il y a un des objets, j'avais remarqué, qui était par là. Donc, on peut sauter par-dessus. Quand c'est des ennemis qui sont pas trop méchants, j'évite de les tuer. Parce que quand on les tue, des fois, c'en est d'autres qui réapparaissent à la place et qui sont beaucoup plus chiants. Alors, lui, on peut lui couper la tête aussi. Sous notre gueule, quand on se casse la gueule, d'ailleurs. Alors, les routines d'affichage des ennemis du perso sont un peu bizarres. Hein. Il y a du gros traitement avant l'affichage. Putain, je vais pas réussir à lui couper la tête à cet enfoiré. C'est pas évident, hein. Mais j'ai l'impression que je perds plus d'énergie. Alors, est-ce que l'objet qu'on ramasse, le bouclier, empêche qu'on perde de l'énergie? C'est fort possible. Voilà, donc le premier objet, il est bien là, comme je l'avais prédit. Et normalement. Oh putain, je tombe, quel abruti! J'ai appuyé trop tard sur Fire. Hein. C'est de ma faute, hein, parce que le jeu, il est assez réactif. Hein. En général, c'est pas le jeu qui merde. Continue sur les routines. Ouais, bah les routines, alors c'est à moitié bizarre. J'ai pas tout. Putain. Quel blaireau. Honnêtement, j'ai pas tout capté à ce qu'elles font. J'ai rien dit ça l'autre jour, parce que par curiosité. Et les graphes ont l'air d'être encodés sur un bit. Et pourtant, on obtient des graphes au final en quatre couleurs. Et alors, il y a des gros traitements. Donc, a priori, il a des. A priori, il a des bits qui servent justement à dire quelle couleur il utilise. C'est un gros bordel. Quand il prend un octet, il fait quatre rotations, il divise les quartés, enfin, il fait des trucs trop bizarres. Va falloir que je me penche dessus sérieusement un jour sur ces routines d'affichage. Après, c'est pas dur de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Ah bah, le deuxième objet, c'est bon, je peux me casser du niveau, ça a été vite. Tiens, il se marre parce que je me barre, lui. Donc maintenant. Ah merde, putain, quel con, c'est pas ce que je voulais faire. C'est rare que je trouve le deuxième objet dans ce niveau aussi vite. Allez! Ennemi, connard. Parce que je pense que si j'ai un peu de temps à perdre un jour, c'est pas dit que je le hack pas ce jeu pour en faire une vraie version CPC+. Ouais, c'est compressé en quelque sorte. Cela dit, tu vois les graphes. Alors, c'est pas comme une compression où tu comprends pas à quoi ça ressemble. Là, clairement, tu les vois les graphes. Hein. Ah bah voilà, la fin du niveau. Bon, on n'aura pas vu tous les ennemis du niveau.
On aura vite aperçu une panthère. C'est facile à tuer, hein, la panthère. Hein. Il suffit de taper en l'air quand elle saute. Putain, mais en lui, j'arrive plus à lui couper la tête à cet enculé. Allez! Gros lourdeau. Donc compressé, non, c'est pas vraiment une compression. C'est vraiment du traitement en fait. Alors, niveau 3. C'est pas le plus beau non plus. Hein. Il va être vite torché si ça continue le jeu. Voilà, hop. Donc pareil, deux objets à trouver. Hop là, il y a le verre à la con. Et là, je peux pas passer. Donc la solution, c'est qu'on se met en pause. Et on sort de pause. Et l'ennemi disparaît. Et ben, c'est vachement pratique parce que jusqu'à la semaine dernière, j'avais pas trouvé cette astuce. Et en plus, c'est pas dit dans la notice. Et du coup, je perdais. Alors déjà que je perds des vies en me cassant la gueule bêtement. Mais je perdais des vies sans le vouloir. Alors voilà, l'espèce de nain débile. Alors lui, il est juste infect. Parce qu'on peut pas le tuer. C'est strictement impossible. Il faut un gros coup de cul pour réussir à lui mettre un coup d'épée dans la gueule. Hop là. Alors là, le truc, s'il vous attrape. Donc là, je suis allé là parce que normalement, en général, il y a une clé. Elle n'y est pas. Donc je me cache, je vais pas y retourner. Lui, s'il vous attrape, il vous bouffe. En fait, il y a une espèce de bestiole avec plein de dents dans la bouche là qui vous bouffe carrément. Et ce nain de merde. Voilà, si vous essayez de foutre un coup d'épée, il vous tape dessus, il est totalement impossible à tuer. Et pour le coup, l'astuce de mettre en pause, bah, ça sauve la vie, parce que sinon c'est impossible de finir le jeu dès qu'il est là. Alors, il n'est pas souvent là, mais... Voilà, il est souvent dans cette pièce-là quand même. Voilà, hop, je saute aussitôt, puisque je peux sauter par-dessus cet ennemi à la con. Là, les flaques de bordel, ça nous fait tomber, hein, donc on se casse la gueule. Non, je le trouve super maniable ce jeu. Alors, il va être vite torché, hein, à mon avis. C'est vraiment rare que j'avance aussi vite. Ah merde. Ah ta gueule. Alors lui, on peut lui couper la tête, mais c'est hyper difficile parce qu'il faut foutre un coup et faut taper vraiment poil de cul près. C'était presque ça. Ta gueule. Alors, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus, parce que sinon il est mort. Je perds plus d'énergie. Ah, bah, ça y est, je l'ai vu. Tiens, j'ai réussi à couper la tête. Moi, je peux sauter par-dessus. Certains ennemis sont pas faciles à tuer. Hein. Ça dépend desquels. Ah, bah, tiens, il y a une vie, je vais aller la chercher quand même. Si je crève pas en la prenant, tout ça m'arrive. Hop là, demi-tour. Non, c'est un jeu quand on maîtrise un peu son gameplay. Alors, comme dirait Thomas, c'est comme tous les jeux, il faut se les approprier. Une fois qu'on a compris comment ça marche, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que ça raconte là tant que j'y suis? Bon, je vais faire mon mode en parallèle. Bah ouais, c'est bien Thomas. J'ai jamais su y jouer à ce jeu. Bah, pourtant, il est très très jouable et pas compliqué. Hein. Les interruptions sont ok, et surtout mon mode 1 est au bon endroit. La mort m'a fini la ligne de code pour décaler mon écran et tomber sur le truc dans le bon endroit. Ouais, moi j'expliquerai ça plus tard dans les cours. Attends, hein, je te donne des petites astuces en avance. On verra le CRTC un peu plus tard quand même. Mais cela dit, on verra la rupture, parce que quand tu vas passer à faire du page flipping pour ton jeu, parce que de toute façon ton jeu t'arrivera pas à le faire tourner correctement avec la méthode actuelle. Ça, tu vas te bouffer le balayage de partout, ça va être une horreur. Donc tu vas pas avoir le choix. Et j'aborderai à ce moment-là, j'aborderai la rupture justement pour avoir un HUD quelque part en RAM. Et voilà. Et mettre les ruptures sous interruption, du coup. Ça servira à les interruptions. Ah, effectivement, ce qu'on voit, Maria vide tes cœurs à poil. Faut-il que j'appelle Magdès? Eh ben non, on la verra pas à poil. Alors, lui, on peut lui arracher le cœur à coup de hache. Bah écoute. Ah, il veut pas avancer plus, tant qu'il est. Mais il faut l'avoir pile au bon moment. Alors, des fois, quand on le voit arriver en courant, c'est là que c'est plus facile. Et là, non, c'est pas le cas. Alors, des fois, il se marre aussi quand on se casse la gueule, et c'est le moment de lui trancher le cœur, hein, cet enfoiré.
Et ça, j'avais trouvé ça assez drôle dans le jeu d'avoir des ennemis qui se foutent de notre gueule quand on se casse la tronche. Mais par contre, effectivement, je perds plus d'énergie. Donc c'est, je sais pas si c'est le bouclier ou un des trucs que j'ai ramassé. C'est fort possible. J'aurais voulu lui arracher le cœur pour vous montrer. Bon, de toute façon, il y en aura d'autres plus loin. Là, ce que je cherche, c'est la clé, parce que la clé, elle va me permettre d'ouvrir les grilles. Et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Là, pour l'instant, je peux pas y aller. Hop là, une vie. C'est encore cet enculé. C'est toi qui se marre pas quand je me casse la tronche. Ah! Alors des fois ils sont un peu près de couilles, c'est que quand ils commencent à me taper, voilà, je me retrouve 3 écrans plus loin quoi à cause de ça. Brave. Toute façon, je vais les tuer. Hein. Ben putain, ils m'ont fait reculer, lui. Hein. Fait sortir le cœur. Mais tu veux quand tu touches, de quoi tu parles? Ah oui, tu te fous de la gueule à l'est. Bon, la clé, elle est forcément à droite. Enfin, moi, je l'espère parce que sinon, je peux pas finir le jeu. Ce serait un gros bug. Ah, elle est là. Heureusement, ils ont pas été trop cons, donc je vais pouvoir prendre la clé. Et du coup, ouvrir les grilles. Et le deuxième objet, c'est une espèce de hache, je crois. Voilà, hop, terminé pour lui. Casse-toi. Voilà, j'ai la clé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à chercher. Maintenant, je peux ouvrir les grilles. Yeah. Et je vais. Oh putain, le foie. Et je vais. Tiens, il se marre. Loupé. Trop lent. J'aurais pu l'avoir pourtant. Allez, on peut passer mon temps entre 2 écrans, quoi. Trop tôt. Les ennemis, ils ont un temps d'hésitation, donc ça c'est difficile des fois de les tuer parce que ils avancent, ils reculent. Comment veux-tu? Casse-couille quoi. Allez, laisse-moi aller à la grille, putain. Putain, je vais être obligé de les tuer tous les deux, quoi. Non, c'est bon, j'ai réussi à passer. Bon, maintenant lui. Voilà. Hop, quand on connaît le timing, il n'y a pas de problème. On les bute sans souci. Oh, ta gueule. Allez, on continue. Donc là, il faut que je trouve le deuxième objet, absolument. Et puis, il nous restera qu'un niveau. Ah, mais putain, mais ils sont chiants, eux. Ils sont à me faire chier, là. Alors, à tous les coups, je tourne en rond. De ça, marre-toi, pauvre connard. Bon, on va aller par là. Bah, je suis pas passé par là. Oh, mais merde. Non, honnêtement, il est plutôt pas mal comme jeu. Hein. Lui, moche. Ouais, comment veux-tu que je calcule? Ah, bah voilà, le dernier objet, il est là. Hop. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à se casser, puis à finir une. Tiens, ben, je vais vous montrer cet ennemi. Merde, putain, je tombe dans le trou. Et vu que j'ai des vies en avance, je vais sauter quand il est là. Voilà, là. Et putain! Quel nul!
Voilà, comme ça il m'attrape, ça vous montre l'ennemi. Hop, une grosse ennemie pas gentille. Et il va rejeter mon crâne à gauche ou à droite, je sais pas où. Voilà, hop, et je redémarre du côté où la tête est apparue. Ouais, moi aussi je l'aime bien ce Barbarian 2. Oh, mais putain, mais je suis nul. Je foire tous mes sauts là. Je finis par plus avoir de vie. Pour l'instant, j'en avais d'avance, donc ça va, mais. Monte-toi. Merde, putain, j'arrive pas à choper le bon moment. Bon, tant pis, je l'aurais fait comme ça. Alors, on va essayer de trouver la sortie maintenant. Bon, à la droite. Je pense que je tourne en rond réellement. Donc je vais à la gauche. Allez, c'est parti. En espérant pas tomber sur des ennemis trop casse-couilles. Ah bah, voilà, quand je parle d'ennemis casse-couilles, bah, c'est soit marre-toi, gros con. Alors souvent c'est l'occasion de le buter hein, quand il se fout de la gueule. Voilà, dégage. Hop, allez, on se dépêche avant qu'il réapparaisse. On va essayer de se casser d'ici, c'est bon. On ne m'attrapera pas. Allez, on va aller voir par là. Je pense savoir où je suis à peu près. Je suis en gros pas loin du début du jeu. Enfin du niveau. C'est passé là à la seconde près, il était mort. Putain, trop tôt. Voilà. Allez, casse-toi. Casse-toi. Ouais, c'est clair, hein. Je me prends des grosses baffes dans la gueule. Alors, on y va. On va essayer par là. Oh putain, autant que tu es. Je mets en pause, parce que alors, lui, c'est pas la peine. Je veux même pas l'affronter. Ah lui, si un jour je modifie le jeu, lui, faut que je chope la routine qu'il gère, parce que c'est juste insupportable. C'est l'ennemi que vous ne pouvez pas tuer, quoi. Le nombre de fois que j'ai pu jouer à ce jeu, j'ai dû réussir à le tuer, mais peut-être deux, trois fois, quoi. Tellement il est pénible. Allez, allez, connard. Trop tard. Heureusement que je perds plus d'énergie. Voilà. Je suppose que c'est le bouclier hein, qui fait que je. Mais c'est marqué dans la notice, je crois. Que tel objet. Ah bah c'est la fin du niveau. On arrive donc au dernier niveau qui va se finir très rapidement. Puisque là, j'ai entre autres un des objets qui permet de faire fuir cette espèce de connard. Voilà, donc il se barre, il a peur de moi. Alors lui, il faut réussir à se mettre. Alors je crois que c'est là. Voilà, et après on le tape comme ça. Et puis il va crever tout de suite. Alors moi je vais me dire, le jeu il va être vite terminé là, maintenant. Voilà, et maintenant on va aller affronter Drax. Alors lui il est chiant. Ce qui vous fait son erreur, c'est moche, hein, vous avez les murs là en rose, quoi, rose et bleu, quoi. On hallucine quand même à niveau palette des couleurs, les mecs, mais sans déconner, ils ont fait du transfert dégueulasse. J'ai l'impression qu'ils sont partis d'une version CGA pourrie. Et, alors lui, il faut réussir à lui couper la tête au moment, donc il faut se mettre là. Et puis, avec un peu de chance. Alors pareil, j'ai une des amulettes qui permet que les coups de Drax ne me font pas mal. Alors je ne sais plus laquelle. Ah bah voilà, je l'ai eu. Et vous allez voir le petit geste qu'il vous fait dans le miroir. Alors, je ne sais pas si c'est s'il vous montre un doigt ou si il vous menace, mais en tout cas, il vous fait un beau petit geste, voilà. Ça m'a toujours fait marrer. Voilà.
Barbarian 2 est terminé. Le son est horrible, pas comme dans beaucoup de jeux, hein. Alors attendez, 2 secondes. Je prends un truc qui est juste à côté. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors. Toc. Tu vas me dire, je me suis fait une infusion, j'ai même pas commencé à la boire. Alors, ça va être infusé, parce que ça fait 36 minutes déjà le stream. 36 minutes. Donc voilà, il y avait un petit scroll où ils nous annonçaient Barbarian 3, si je me souviens bien. Code par machin, original game board dev, programme de trucs, graphics by bordel. Voilà, on se revoit dans Barbarian 3, mais il n'y a pas eu de Barbarian 3. Bah, j'aurais espéré, moi le seul truc que j'aurais espéré, c'est que contre Drax, on se retrouve à un vrai combat à la Barbarian, quoi. Mais non, c'est comme ça. Alors, je vais rebooter. Ah. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh putain, et Winep là. Du coup, je vais mettre le son un peu plus bas. Putain, Winep, mais des fois, il me fait des trucs. Laisse tomber, quoi. Voilà. Alors, là, maintenant, je vais jouer à un jeu qui s'appelle The Dawn of Carnel. Donc, c'est un jeu qui est sorti cette année, qui est sorti au mois d'août, aux environs du 14 ou 15 août, un truc comme ça. La première fois, tu vois la fin de Barbarian 2, bah, pourtant, c'est pas dur. Franchement, c'est pas dur. Donc on va jouer à un jeu qui s'appelle The Dawn of Carnel. Et The Dawn of Carnel, eh ben je l'ai en physique, en version cassette, avec une boîte qui est franchement plutôt sympa. Alors là, vous ne voyez pas, mais en fait, c'est une boîte qui est, oh, si on voit quand même, qui est argentée. Hein, c'est plutôt sympa. Ouais, avec une petite présentation au dos. Alors, je ne sais pas si. Voilà, vous arriverez pas à lire parce que ça fait des reflets de merde. C'est mon écran qui fait des reflets de merde. Enfin bref, c'est plutôt sympa. Et je vais vous faire un unboxing à la con. Barbarian 3 égale Targan, non, ça a rien à voir. Targan n'a rien à voir avec Barbarian. Hein. C'est pas parce que t'as un gros guerrier barbare que c'est la suite, quoi. Donc bon, bah dedans, la fameuse cassette, hein, la cassette qui est personnalisée quand même. Il y a marqué les Dawn of Carnel, ils sont pas fichés, c'est pas juste une pauvre cassette de merde qu'ils nous ont mis. Ouais, des deux côtés. Hein. Ouais, version cassette, ouais. Ouais, parce que version disquette, ça sert à rien, j'ai pas de lecteur disquette. Donc alors que au moins j'ai un 464+, et des 464, donc autant c'est ça, la version cassette. Bon, il y a un petit logo de pub pour leur truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Bon, bah, il y a le petit, je vais la montrer après. Il y a dans la boîte un petit bonhomme. Un petit bonhomme du jeu. Voilà, un sticker. Petit sticker, c'est rigolo, je trouve ça rigolo. Un petit logo bah pour leur site Polycat, pareil, hein, en forme de disquette, c'est des autocollants. Et alors ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que je me retrouve avec une petite boîte comme ça. Je me dis, tiens, c'est quoi? Et ben en fait, dedans, c'est une micro SD et il y a le jeu dessus. Le jeu et les bandes son du jeu, enfin ce genre de trucs. Donc c'est plutôt sympa, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé ça plutôt cool. Targan de Arcos, de quoi tu parles? Targan de Arcos. Je viens de comprendre. Donc voilà. Et en plus de ça, bah, on a le petit poster quand même, le petit effort. On a un poster, donc c'est plutôt cool. Parce que franchement, bah, je sais pas combien ça leur coûte de faire un poster, mais. En tout cas, ça fait plaisir, un petit poster. Bon, je ne le mettrai pas dans ma chambre parce que j'ai plus 14 ans. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, un petit packaging complet comme ça. Et puis, bon, bah, le manuel. Alors, le manuel, il est en anglais. Plutôt qu'en allemand ou en espagnol. En anglais. Bon voilà. Alors le manuel, bon, ben, voilà. De toute façon, je crois qu'il est, il doit être sur CPC Power, hein, je pense. Voilà. Donc je vous explique vite fait les options, les trucs, les ennemis. Voilà. Les crédits à la fin. Code graphics and sound par Juan Martinez.
Loading screen et intro screen Dylan Barry. Box cover art Ralph Nies. Je sais pas comment que ça se dit, alors ils m'excuseront si ça se prononce pas comme ça. Hein. Box and manual design Sébastien Bach. C'est plutôt rigolo. Alors est-ce que c'est Sébastien Bach, le deux chanteurs? Hein? C'est certainement pas celui qui faisait de la musique classique, surtout qu'il s'appelle pas Sébastien Bach, mais Jean-Sébastien Bach, je crois. En français dans le texte. Oh, il y a eu des testeurs hein, que je connais pas, donc voilà. Des remerciements. Alors, les testeurs, oui, ouais, je vais dire quand même Antxiko, je sais pas qui c'est. José Maria Velo et Franz Loskos. Voilà. Un remerciement à Carnivius. Carnivius, c'est le mec qui fait des graphes sympas, non? C'est pas ça? C'est pas le mec qui fait des super graphes là, qui avait fait une espèce de, enfin, des espèces de graphes pour un Turrican-like qui défonçait bien graphiquement, mais qui est incodable sur ses PC, il me semble. Et puis Dylan Barry et Damian Woodsby. Connais pas. Voilà. Special thanks to Alex, Danny et Victor. Eh bien, c'est bien, voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait. Voilà. Donc, bref, un petit. Un petit packaging plutôt sympatoche. Donc, de temps en temps, j'aime bien avoir des nouveaux jeux comme ça, principalement aussi pour encourager. Pour encourager. Bah, la production de jeu, surtout que ce jeu, bah, mine de rien, c'est un petit jeu, hein. C'est pas un grand jeu. J'aime bien la pochette, elle me fait penser à quelque chose, ce dessin. Elle me fait penser à des pochettes de vieux bouquins ou un truc comme ça. Bref, sympa. Cosmic Prison Commando, ouais, c'était ça, ouais, exact. C'était ça. Et franchement, ça déchire, hein, graphiquement. Le mec. Bon, bref, du coup, on va revenir au jeu. Alors j'ai un petit peu joué au mois d'août, mais j'ai pas. Si je me suis refait une partie avant-hier ou hier, je sais plus quand j'ai reçu le jeu en version physique. Mais sinon, j'avais pas rejoué, donc j'ai refait une partie vite fait. Donc on va voir ce que ça donne, mais enfin bref, de toute façon, ça devrait aller. Ouais, ça fait penser un peu à Dandar, ouais, la pochette exacte. Allez, c'est parti. Oui, ouais, ou du lys 31, exact. C'était pas très beau là le screen. Enfin, en tout cas, le screen n'était pas trop mal, mais en bas à droite, la tête du perso, c'est vraiment pas. Bof. Voilà, c'était la petite intro. Moi, je trouve ça très sympa de faire des petites intros comme ça. Bon, bah, je joue au joystick, hein, de toute façon. Ouais, il est bien. C'est pas trop fort, du coup, la musique, là, parce que tout à l'heure, hein, vous me disiez que c'était pas fort, mais maintenant qu'il y a de la musique, c'est peut-être trop fort. Ce serait bien de me le dire avant que je commence à jouer. C'est trop fort, c'est pas assez fort. Maniez-vous le cul, hein, j'ai pas que ça à foutre. Bande de blaireaux. C'est bon, la zic. Ok, bon, bah alors on y va. Hop. Donc on dirait chez Petit Vaisseau. Hein. Ça ressemble. Or, le jeu fait un peu penser à Cybernoïde, mais juste un peu. Hein, parce que c'est pas tout à fait pareil. Donc là, on casse des trucs, ça permet d'enlever le laser qui était là-bas. Là, faut que je me méfie des missiles à la con. Voilà.
On a la possibilité d'avoir deux tirs en appuyant deux fois sur en bas. Ça nous change le deuxième tir. Sachant que le deuxième tir, pour l'avoir, il faut appuyer, pour l'utiliser, il faut appuyer sur en bas et fire. Hop là. Ah merde, putain, je me suis touché. On n'a qu'une vie, hein, avec une barre d'énergie qui est en haut à gauche. Moi je trace. Donc ça, des fois, ça nous donne des options qui peuvent être pratiques, comme tuer tous les ennemis à l'écran. Donc ça, c'est des options de tir, hein. Ça réagit bien, c'est plutôt sympa. Les graphes sont pas trop mal, même si des fois ils sont un petit peu simplistes, je dirais parfois. Hop là. Merde, oh la vache. Je vais me le prendre sur la gueule. Il y a des passages secrets, ouais. Il y avait des téléporteurs à certains endroits qui. Si je me souviens bien, alors je crois que c'était dans le level 4 et puis le dernier level, je crois, parce que je l'ai fini en fait ce jeu, il n'est pas très très dur. Je l'ai fini le lendemain que je l'ai vu, le lendemain que j'ai téléchargé ou un truc comme ça. C'est pas le jeu le plus dur du siècle. Joue et tais-toi, oh là 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 là. Tiens, hop là, j'utilise un tir spécial. Comme ça sera un niveau mélo de con. Ça c'est des mines, donc moi je les dégomme comme ça. Je pourrais utiliser sinon en second tir, il y a un tir vers le bas, mais ça me fait chier, c'est pas très bon. Donc là moi ce que je fais en général, c'est que je trace et que je tue cet abruti comme ça. Hop. Parce que finalement je perds moins d'énergie qu'en essayant de m'en sortir autrement. Alors lui il se déclenche pas tant qu'on n'est pas vraiment en phase 2. Ça se manie bien, ça réagit super bien. Bon, c'est franchement agréable. Ça change, certains sont un peu trop pixel. Ouais, non, là, ça va. Franchement, ça va, c'est jouable. Voilà, c'était un truc qui faisait péter tous les ennemis à l'écran. C'est jouable, ça réagit bien. C'est plutôt agréable, moi, je trouve. Hop. C'est un petit labyrinthe, plutôt rigolo. J'espère que je vais pas crever. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, Thomas. Quand tu libères l'intelligence artificielle, entre guillemets, ça commence à se complexifier un peu. Oh, merde, putain. Ah, oh, putain, je m'en doutais que j'allais faire une connerie. Vas-y. J'ai quasiment plus d'énergie, déjà. Je fais le con, là. Allez. Oh mais je suis nul là ce soir. Ouais, je l'ai tué comme ça, hein, ce sera plus simple. Je voulais lui tirer un tir en spécial, j'ai foiré. Allez, hop, et puis maintenant lui je vais buter comme ça. Voilà. Avec un peu changé de l'énergie. Yes. Monstre pas si bien, tu penses qu'elle dit si tu pouvais désinguer celui du haut, ouais je pouvais, ouais. Je pouvais, mais là j'ai joué comme une merde. Faut être honnête. Bon, voilà, celui-là je le dégomme. Bon forcément, je connais déjà un peu le jeu, donc les trucs que je vais me rappeler, comme là qu'il fallait se mettre à gauche quand on descendait. La première fois qu'on joue au jeu, on se prend l'ennemi en pleine gueule, quoi. Après, j'évite de gaspiller les missiles parce que là il n'en reste que 3 par exemple. Hop là. Ce serait pas mal d'ailleurs qu'il me redonne des missiles et puis de l'énergie parce que là. Donc voilà, on finit la première petite zone, on va dire.
Hop. Merde, je l'ai loupé ce connard. Oh, pas possible de me toucher. Oh bon, je l'ai touché hein, et bon. Je crois que c'était deux fois qu'il fallait le toucher cet enculé. Hein. Ah, de l'énergie. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors là, bon, faut tracer. Normalement, on peut tracer dès le début. Mais qu'on arrive dans la pièce, mais là je me rappelais plus qu'on arrivait là. Voilà. Un gros bourrin. Un gros bourrin. Bon ça va, j'ai quasiment perdu l'énergie. Faut que je me méfie des putains de missiles qui sont là. Voilà. Hop, ça, ça va me détruire un truc en haut. Voilà, à droite, ça sert à rien que j'y aille maintenant parce qu'en fait, il y a un laser à la con qui m'empêche de passer dans un éclair. Alors là, je sais plus si c'est. Voilà. Et il me semble qu'il faut que je passe par la gauche. Donc là, c'est des ennemis qu'on peut pas tuer. Hein. Il y a certains ennemis qui sont intuables. Alors là, ce qui est chiant, c'est que quand il y a une option dans ce truc-là, bah, en général, on peut pas la prendre. Voilà. Ah oui, il faut tracer direct. Hop là. Hop. Là, j'ai fait un droite-gauche vite fait pour sortir des cons et son tir m'atteigne pas. Hein. Tout simplement. Moi, je l'ai trouvé plutôt agréable, ce petit jeu. Ça reste un petit jeu, hein, c'est pas le jeu du siècle. Mais c'est mon petit jeu qui mérite largement largement un 14 sur 20, je pense. Voilà, des fois je gaspille d'énergie, hein, mais c'est en acquis de conscience. Allez, zou. Hop, ça nous renvoie un peu plus loin et j'ai oublié de faire un truc. Que la sortie elle est bouchée. Ouais, bien fini, ouais, exact. Il est vraiment fini ce jeu. Alors là, je vais, si je peux, je vais déjà casser les bordels. Hein. Voilà. Je suis pas obligé de le faire maintenant. Hein. J'aurais pu le faire plus tard. Mais comme je redescendrai par là tout à l'heure, on va le faire maintenant. Voilà, hop, c'est précis. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de péter qui casse des trucs là. Hop, ça se tue tous les ennemis, on s'en fout, il n'y en avait pas. Voilà. Non, c'est rigolo le petit côté labyrinthe, cherche ta sortie. Voilà. Hop. On y va. Voilà. Oh, il y a un tir vers le bas, hein. C'est ce que je disais. Là, j'aurais très bien pu utiliser le tir vers le bas. Personnellement, je l'aime pas. Je trouve pas ça très pratique. Donc, je préfère faire ça comme ça. Bon, question de choix. Hop là. Et maintenant, on va passer par là. Oh putain, on va en plein dans la gueule quoi. Quel abruti. Putain, j'ai quasiment plus d'énergie, je vais peut-être pas aller bien loin. Là. Allez, on y va. De l'énergie, il est cool hein. Et de l'énergie. Bon bah écoute, je sais plus si c'est pas en bas ou en haut, je crois que c'est en haut. Oh, ça doit être par en haut, il me semble.
Ouais, c'est ça, ouais. Comme tu dis, Thomas, le problème, c'est que si je lâche tout, le vaisseau, il descend déjà. Donc, si en plus, il faut que j'appuie en bas pour lâcher un truc, c'est un peu chiant. Fire 2, ça aurait été pas mal. Ouais, c'est sympa, ouais. Comme tu dis, Xavier, c'est plutôt sympa, les petites phases entre deux. Je trouve que ça anime un petit peu le jeu, quoi. Oh merde, j'ai cassé le truc d'énergie à cause de cette espèce de connard qui me tire dessus, quoi. Merde. Oh là, je joue con. Quel idiot. Là, si je me souviens bien, c'est à droite. D'abord. C'est ça. Mais sinon, c'est bien, c'est réactif. C'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Oh, putain, je regardais le chat. Quelle gueule, toi. Hop là. Moi, je voulais trouver un peu monotone à la longue, ouais, c'est pas faux. Au bout d'un moment, on se fait presque chier quand même. Bon, bah là, voilà, je peux pas les éviter, donc c'est un peu mieux. Là, est-ce que je peux. Voilà, je peux pas tirer vers le bas, donc c'est un peu nul. L'autre connard là, c'est un peu chiant. Bon, j'ai loupé un truc. Je peux refaire tout le tour. Putain, quel nul. Bon bah, et si vous avez une suggestion pour un troisième jeu, ça peut se faire. Hein. À quoi il a joué comme une burne donc le Cèdre l'autre jour? Que je vous montre là, comment y jouer. Si c'est un jeu auquel j'y arrive. Ah bah je crois que c'est à gauche justement qu'il faut que j'aille. Wow. Ça fait peur hein, ce con. C'est là le truc. Voilà. On aurait fait un truc qui pétait tous les ennemis, ça aurait été plus sympa. Hein. Dallas. Ah oh, putain, ils sont chiants ceux-là. Ah oh, merde, bah, je suis mort. Voilà, j'aurais pas dû passer par là, faut pas passer par là. En tout cas, pas maintenant. Bon, bah, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Bon, bah, c'est pour un, ouais, ça vous donnera. Moi, j'étais jusqu'au bout d'un paquet de niveaux de l'IA, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé ça trop rapide, mais je me suis pas remis. Ah là, il n'y a plus de mèche. Il n'y a plus de mèche, on peut le céder. À quoi il a joué l'autre jour? Bon, il a joué à Pang, ça me fait chier de faire un Pang, je n'ai pas envie. À la limite, je ferai un Pang avec Pauline. Tant qu'à jouer aux boules. L'aigle d'or 2, je l'ai déjà fait. J'ai pas prévu de faire un troisième jeu. Dans le jeu 128 plus, ouais. Ouais, on peut essayer. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais on peut essayer, effectivement. Où est-ce que je l'ai mis?
Où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai même pas sur mon disque dur, quoi. Genre. Merde. Bon, c'est bizarre, j'ai bien mis quelque part. Putain de jour 2. Comment ça se fait que j'ai pas Rick Dangerous? Oh putain, je vais être obligé d'aller sur CPC Power. Pas cool, pas cool, pas cool. Alors, Rick. Dangerous 128 plus. FGN. Ouais, ça m'énerve, moi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, on me dirait. Mais non, ça m'énerve de voir des streams où les. Bah, il y est déjà. Il me dit qu'il y est déjà. Bah, je suis aveugle. Ouais, de voir des streams où les gens n'ont pas essayé les jeux avant et en fait, tu vois le même écran pendant tout le jeu, quoi. Ah bah oui, il était là, je suis vraiment nul. Je te jure. Ah bah le plus, le problème, c'est que du coup, il est complet, quoi. Les niveaux sont plus longs, Thomas, donc. Oui, parti. Si je suis pas sur le bon CRTC forcément. Et puis en plus j'avais enlevé le plus PPI émulation. Jet Set Willy Boy, non je trouve que c'est de la merde. Donc, non. Jet Set Willy, j'ai toujours trouvé ça nul à chier. Moi les petits jeux de daube, non. Non, c'est nul, je m'amuse pas là-dedans, c'est trop moche, c'est trop nul. Donc non. Ça rend vraiment pas comme sur un CPC, hein, les couleurs sur l'émulateur. Ouais, c'est pour Paco, hein. On laisse des jeux de merde à Paco. Ouais. On va regarder les options. Bah, Firebay, Firebay. On peut mettre quoi? Sauter ou bombe? Non, on va mettre sauter. Voilà. Et play. Allez, c'est parti, mon kiki. La petite intro en sprite art qui va bien. Voilà. Donc c'est parti avec la boule conne qui commence à rouler quand on a un départ. Quand on départ. Le mec qui parle français, quoi. Je me rappelle pas si elle était animée, la boule sur spécial. Je pense pas. Je ne pense pas. Ouais, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Allez, hop. Ouais, c'est ça, c'était un sprite qui se déplaçait mais qui n'était pas animé. Fait longtemps que j'y ai pas joué. Donc ça m'étonnerait que je vous le finisse.
Peut-être le premier niveau, mais. Alors moi, c'est ce que je disais le soir, moi je fais comme ça, moi. Après les options, moi je m'en fous, donc hein. Je les ramasse pas de toute façon. Enfin, quand elles sont à côté de moi, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il a, Windows, là? Là, c'est plus qu'un 18 millions ont été rajoutés. Ah ouais, ça reste un quand même, hein. C'est quand même le moteur d'origine qui tourne. Donc ça reste un hack, mais bon, c'est un bon hack. Ça demande énormément de boulot, hein, mine de rien, hein, de hacker un jeu quand on n'a pas le source. T'adores le son, donc tu les ramasses. C'est une bonne raison. Eh ben écoute, puisque tu aimes le son quand on les ramasse, eh ben, je vais faire l'effort, je vais les ramasser. Et le son a merdé. Allez, je vais ramasser celui-là. T'as vu, en plus, j'ai pas parlé en même temps, juste pour te faire plaisir. C'est-il pas cool? Comme quoi, hein, les sons dans les jeux, c'est quand même vachement important. Hein. Bon, là, il y a des mobs juste à côté, donc mieux on se fait pas chier à les tuer en tirant dessus. Hein. Tuer avec une bombe. Bah, c'est vrai que ça rabouille un peu quand même quand il y a le sample. Hein. Allez. Allez, allez. Tac. Pouf. Et là, c'est le dernier écran de la version CPC Old. Bon, jusque-là, c'est très très simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Normalement, on ne perd pas de vie. Hein. Voilà, et sur CPC Old, ça s'arrêtait là. On avait fini le niveau. Avec le petit détail. Du bonus qui brille, là. Plutôt rigolo ça. Tiens, ça dans ta gueule. Allez, viens l'abruti. Alors lui, souvent, je le laisse crever tout seul. Voilà, hop, il crève. Là, pour le change, j'en ai un autre qui est arrivé. Eh bien, connard, qu'est-ce qu'il est con, lui. Allez, tombe. Il va me gonfler, lui. Hein. Il veut pas tomber. Allez, crève, tu m'énerves. Tu m'énerves. Le but, je disais, tiens, j'en ai fini. Putain, je me suis relevé comme un gros clan. Oh là là, j'hallucine. Quel abruti. Oh, c'est vraiment une vie perdue connement, là. Voilà, du coup, ça m'a énervé. Allez, viens. Truc à la con là. Faut faire ça, sinon on crève. Si on passe par la droite, on est mort. Alors lui, on va essayer de bousiller. Là. En plus, là, des murs, je crois. Oh, merde.
J'avoue que j'ai des trous de mémoire déjà. Hein. Hop. Mais bon, j'en ai pas besoin, putain. J'ai cassé la gueule, là, laisse tomber. On dirait une version comme ça sur une GX 4000, ça aurait été cool. Ouais, bah, le jeu tournait sur 464, hein, là, il utilise des banques, alors je sais pas ce qu'il fait dedans. Après, si c'est juste pour stocker les samples, ce genre de trucs, et les niveaux suivants, il y a moyen d'en faire une version. Une version cartouche sans doute. Ah oui, ça me dit quelque chose aussi, ça. Ah oui, putain, faut pas faire ça. Bon, bah là, je commence à perdre des vies parce que je me souviens plus. Mais en fait, faut sauter et s'agripper. Voilà. Tic. Je m'en rappelle plus. Ah oh, putain, voilà, je m'en doutais. Ouais, non, faudrait que j'y rejoue quand même avant de le faire en stream. Parce qu'il y a des trucs dont je ne me souviens plus. C'est un peu dommage, j'avais bien débuté. Et puis là, je commence à chier dans la colonne. J'ai plus que 6 vies. Ça commence à devenir chaud pour terminer le jeu, ça, 6 vies. Il me semble qu'il ne faut pas passer par la droite. Je crois qu'il y avait une connerie. Ah non, bah non, il fallait passer par la droite. Se le finir sur le niveau 1 quand même. Quand même pour les niveaux plus durs. Le tir, je crois que c'est une mauvaise idée d'y aller. Parce que quand on voilà, quand on saute, on se prend le tir à la con là. Comment faut faire déjà là? Ah, c'est là qu'il fallait passer par le mur. Voilà, c'était ça. Là, on met la bombe. Voilà, c'était ça. Hop. Oh, c'est pas fini, putain. Ah oh, non, mais là, je m'en rappelle plus du tout. Hein. Ah oui, bah, oui, ça, je m'en doutais. Eh merde, putain. Et sérieux, là? Non mais je... Oh putain, c'est abusé quoi. Utilise les orbes que tu veux hein, dans le Bonne nuit, Heroud. Tu utilises les
Si ton mode, ton HUD, il est en mode 1, bah, tu utilises les 4 premières encres, Thomas. Encre 0 à 3, hein. Comme du mode 1. Ça change pas la construction du mode écran. Je suis pas satisfait si je finis pas au minimum le niveau 1. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. J'aime pas ça. Perdre connement là. Tout ça parce que je me rappelle plus des trucs. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Profondément. La MacDess avait fait un bon boulot hein, sur les graphes hein, de cette version. C'est vrai que là, pour le coup, le décor ressortait bien, quoi. Ça change du graphe du Shadow de Doom. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai pas compris. Ouais, je vais essayer, j'en ai rien à foutre, c'est de la speed de balle pour rien en fait. Vachement bien comme jeu avec un jeu où ça n'est pas chiant. On va faire un stream graph. Bah ouais, mais faut il faut qu'il ait quelque chose à dire aussi. Ah, la Karine, un Mickey Mouse de la CRTC3 de Rousse. Je me rappelle pas avoir vu de Making of, donc on va citer un lien vers le Making of. Je me rappelle pas avoir vu ça. Ouais, bah de toute façon t'essayes hein, Thomas. Après, tu peux très bien changer de couleur entre l'écran de jeu et le HUD. Hein. Alors fais juste gaffe quand même que changer de couleur, ça prend un petit peu de temps. Et si t'es si t'as un HUD en mode 0 sous ton écran de jeu, t'auras pas forcément le temps de changer les 16 couleurs sans que ça se voit. Merde, putain, le colère il est descendu quand même. Je peux faire les tuer comme ça m'évite de gaspiller des balles. Bon, celui-là, on va le tuer avec une balle, on gagne du temps. Mais putain, j'ai pas demandé à sauter, nom du Dieu! Et sans déconner, il y a 10 fois, il saute tout seul là, je lui ai rien demandé, hein! Bordel! Brutille, hein. Ça m'énerve, ça! Là, j'ai perdu une vie, c'est même pas de ma faute, quoi! J'ai jamais demandé de monter, là! Sauter, ouf! Putain, merde! Sans déconner! Ah, ça me saoule, ça! Je déteste ça quand c'est.
Allez. Voilà, il saute, il saute. Si j'appuie à gauche ici, il saute automatiquement. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? Je lui ai jamais demandé de sauter. Il me le fait à chaque coup. Ta gueule, toi. Pauvre con. Putain, ça y est, ça commence à m'énerver. Je vais jouer comme une pine. Ça me pèle le genou. Allez, crève, connard. Et là, il y a un bug encore. Oh, ça m'énerve. Et je sens que ça va mal se finir parce que ça va vite me gonfler. Je supporte pas ça. Sans déconner, là, j'arrête pas de crever à cause de trucs à la con. Voilà, j'ai encore plus que 6 vies, là. Perdre des vies bêtement, là. À cause des trucs qui déconnent complet, là. Putain. Là, c'est du bug, hein. C'est du vrai bug. Hein. Perso qui saute tout seul à chaque fois, pas normal ça. Hein. Difficile de faire un choix. Il y a avec quatre... seulement 4 couleurs, mais on a moyen de faire des trucs très bien. Change de jeu, bah tu veux quoi, Fred? Un truc qui m'énerve encore plus. Ah, en plus, c'est complètement bizarre hein, ce bug. Parce que là, je... putain. Et là, il fait pas. Ça va m'énerver. Je déteste regarder des gens qui jouent mal pendant les streams et je suis en train de faire exactement la même chose. Regardez un mec qui perd tout le temps au même endroit pendant son 7 ans, merci quoi. Dans le jour où 2. Ouais. Non mais là ça m'énerve, faut que j'arrive à passer ce truc-là. Et là j'appuie à gauche, il saute. Vous avez vu? Il saute là. Vous avez vu là? J'appuie à gauche, putain ça m'énerve. J'appuie à gauche. Putain que ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Bon allez vas-y, arrive dans le jour où je dois vite fait, puis après j'arrête parce que ça va vite me gonfler là. Là c'est pas normal, je suis isolé, j'appuie à gauche. Donc il a pas à sauter. Grosse daube. Ouais, mais a priori, Fano, il veut pas faire Rick Dangerous 2. Je sais pas pourquoi. Ah, où est-ce que j'ai mis? Ouais, si je les pose déjà sur le disque dur, c'est pas mal, un signe alors. Ouais. Ouais, Fano, a priori, ne veut pas retoucher Rick Dangerous 2. C'est bien dommage. Toute personne d'autre ne le fera, donc... Bon, allez, on attaque direct, premier niveau.
Il me semble que je l'ai déjà fini en stream. Oui, facile la règle dans le jour où il se demeure. Pour ça, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai eu tout gamin. Donc j'ai eu des années pour y jouer et m'entraîner. Bon, là, il y a des salles secrètes sur le côté. C'est quoi ton lien là? Ah, le stream de Rude. Ah, il avait fait ça pendant un stream, c'est marrant, je m'en souviens pas. Bizarre pourtant. Me semblait avoir vu tous ces streams, alors je m'en rappelle pas. Les bruitages sont sympas, ouais, il y a des sons armes d'ailleurs. Pouvoir jeter les bombes, ça c'est cool. Qui est retiré. Mais non. Pourquoi j'ai oublié des trucs aussi dans celui-là? Ouais, c'est vrai que le scroll, c'est plutôt cool. Ouais, je le trouve quand même vachement moins punitif que le Ring Dangerous. Hein. Les pièges sont vachement plus évidents. Ta gueule, toi. Non, puis c'est bien fait. Ouais, je veux dire, déjà graphiquement, c'est chouette. Oula, putain, je pensais que j'étais un peu juste, mais du coup, j'ai failli faire le con et me foutre dans la merde. Merde, putain, j'ai posé une bombe. N'importe quoi. Voilà, vraiment, si je finis pas le premier niveau, c'est vraiment que je suis devenu nul à chier. Je suis à moitié concentré. Hop. Hop, hop, hop. Ça rame un petit peu quand il y a beaucoup d'ennemis quand même. Hop, là, normalement, on peut tuer le mec en détruisant le truc à droite. Voilà, synchro parfaite. Hop, j'aime bien les petits détails, les morceaux de décor, on passe devant, on passe derrière. C'est plutôt cool, non? Hop.
En soi-même, un règle d'un jour, c'est pas difficile à coder. Je sais plus comment on fait là. Je me rappelle plus. Ah oui, on peut pas sauter là. C'est vrai. Hop, on se baisse. Merde, j'aurais pu l'avoir ce connard. Bon, bah tant pis. Voilà, c'est pareil, il faut pas tirer trop vite. En fait, voilà, faut attendre que lui soit fait buter. Et des fois, il y en a un autre qui réapparaît. Voilà, il y en a un autre qui réapparaît. Fait chier. Hop, je me fais bouger. Bon, on s'en fout parce que de toute façon, je suis à la fin du niveau. Merde, c'est vrai. Voilà, fin du niveau 1. Vite torché. Sans perdre de vie. C'est très bien. C'est très bien. Ah, je le connais mieux quand même que le premier. Ça se voit. Hein. Musique et tout, c'est sympa. Je sais pas si sur Atari Amiga il y a des petites intros ou des trucs qu'il n'y aura pas sur la version CPC. Je sais pas du tout. J'ai jamais joué sur autre chose que CPC en fait, Atari Dangerous 2. Bah d'ailleurs, le 1 non plus en fait. Non, le gameplay est nickel. Vraiment nickel. Final sur CPC, t'as rien de manquant sur CPC, même pas des petites intros, début des niveaux. Merde, normalement lui on peut le tuer. Ah oh, putain, quel con, voilà ce que c'est que de faire l'abruti. Parce que lui normalement on peut le tuer en faisant tomber une stalactite en fait. Ce qui évite de gaspiller inutilement un truc, mais bon, vu que je suis nul, là il y a une stalactite en fait. Allez. Ah, c'est 3, je me rappelle plus. Voilà. Je ne me rappelais plus que c'était 3. Ah, mais évidemment, il manque des énigmes d'avant-game, je crois. D'accord, ok. Les timings sont encore bons. Ça va, je me démerde pas trop mal. Ça va être plutôt dans le niveau 4 où ça va être plus compliqué parce que il y a plusieurs possibilités pour le finir. Et je suis pas sûr de me souvenir de par où faut passer. Le petit sprite transparent, ça c'est sympa. Plutôt cool, moi je trouve. Vachement bien fait ce jeu. C'est pas compliqué à faire, hein. C'est quand même sympa visuellement. Très sympa. Je me baisse en même temps s'il m'envoyait une prune dans la tronche, j'étais obligé de me la prendre. Donc,
Hop là. Voilà, c'est pareil, le timing, est-ce que je vais... Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah merde. Hop là. Hop là. Ah oui, là c'est pareil. En dessous, il y aura un mec qui va arriver. On peut le tuer avec une stalactite. Et du coup, économiser. Oh putain, je l'ai fait tomber. Et là, il y a un bonus de planquer. Yes. Ouais, j'avais trouvé. Quand j'y jouais gamin, j'avais trouvé plein d'astuces pour économiser les tirs, des bombes et tout ce qu'on veut. C'est parti loin tout ça. Hein. Ça commence à devenir chaud, il ne me reste plus qu'un tir. Ça va devenir chaud. Allions plutôt avec une bombe par exemple. J'ai plus de tir, donc je risque de perdre très très vite. Parce que là j'ai plus de tir, il y en avait en bas, mais je sais plus comment est-ce qu'on y va en bas. Si c'était le bouton à gauche, dans tous les cas, je pouvais pas l'activer puisqu'il faut un tir. Ça va être chaud, ça va être chaud, tendu. Voilà, il y a un tir, hop, cool. Yes, que sinon, après, on peut plus passer. Hop là. Ça c'est cool aussi, j'aimais bien dans Ring Dangerous 2 d'avoir les vélos à pesanteur, je crois que ça s'appelait dans la notice. Ah pareil, là il y a une stalactite. Oh putain, quel con. Voilà. Et on peut le tuer avec. Et là j'aurais pas dû prendre le tir puisque. En fait, je m'en serais, je l'aurais pris après avoir tué les deux abrutis. J'aurais économisé deux tirs, mais c'est la fin du niveau, donc on s'en fout. De toute façon, je récupère toutes mes armes. Il n'est pas encore couché, le gourou. Restez habillé pour aller chez Juliette. Pas Juliette, elle s'appelle Justine, trou du cul. Puis de toute façon, ma fille, elle se réveille pas. Elle se réveillera qu'à 9h30 demain matin. Lui, il y a moyen de le tuer avec le gros rocher aussi. Moi j'aime bien passer par là. Bon bah niveau 3, hein, sans perdre de vie. Hein. C'est cool. Continue comme ça, on va finir le jeu. Bon, hein, le niveau 5 il est vachement dur. Ça me paraît bizarre d'être allé jusqu'au niveau 5 en stream en fait. Je suis pas sûr. Hein. Putain! J'étais parti pour y aller, puis j'ai hésité. Bon, bah, j'aurais perdu une vie. Les animes d'avant-game, pourquoi pas? Juliette. Oh, plus ma fille Juliette. Ouais, bah tiens, tu nous le fais quand en stream, Ring Dangerous 2, comme énorme. Ce serait cool. Hop. Voilà. Alors là, on cherche même pas à voir le tir, ça sert à rien. Parce que on crèvera. Voilà. Alors là. Hop là. Hop là.
bientôt. Il faudra que tu passes le premier écran, hein, quand même. Il faudra que tu t'entraînes, hein, commence dès maintenant. Hein. Ah oui, c'est vrai, faut les tuer. J'aime pas tuer les gens. Il y a des échelles et des ascenseurs. Hein. Bien joué Thomas. Voilà, c'est ça. Ah non. Merde, je m'en peux plus. Oh putain. Voilà, j'ai un trou là. Ah si, pourtant c'est ça, on appuie sur le truc là. Ouais, tout à l'heure j'ai mal appuyé, ça ne l'a pas éteint. Ça se barre. Bon bah j'ai perdu. Putain, j'ai sauté, nom du Dieu. Bah 3 vies inutilement quoi. Là, je deviens mauvais, donc en fait, on va peut-être pas voir la fin du jeu. On va peut-être pas voir la fin du jeu. Mais putain, mais saute pas, abruti. C'est surtout que j'ai sauté trop tard. Voilà, là, faut sauter là. Hop, hop, là, il y a des trucs de merde, là. Le rondin de bois, là. Tududum. Fait tomber le truc, ça zigouille l'espèce de connard, on saute, on tire sur le connard, voilà. On fait tomber la branche, et c'est pas mon kiki, non, c'est la fin du niveau, je crois. Yes, niveau 4. Voilà. C'est moi, je un pauvre con disqué. Je te rappelle que sur REC 1, j'ai passé le niveau 4. De chaque version, y compris version 16 bits qui sont plus longues. Me rappelle pas, moi. T'as peut-être rêvé ce jour-là, non? Fini moins de REC 1. En fait, il y a plus d'échelles à descendre qu'à monter. Il y a les choses sur ZX, tu vois pas, les choses sur les vertes sur fond vert. Les rondins, on y a des tranches de salami. Les chauves-souris? Quelle chauve-souris? J'ai pas vu de chauve-souris, moi. Normalement, on dirait des tranches de salami. Alors là, c'est le jeu Wirik. J'ai 4 vies. On gagne une vie à la fin de chaque niveau? Je m'en rappelais pas. Ah oui, c'est vrai, il y a le truc à la con là. Je crois qu'on est obligé de le tuer. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je me rappelle plus. Putain, c'est lent quand tu marches dans la boue. On va passer par là. Écoute, je me rappelle plus.
Je risque de crever parce que je me rappelle plus du tout du trajet à faire. Tant pis. Oh putain. Oh là là. Pauvre petit, il a touché le truc. Ah, si t'es moins con, il aura pas touché. Hein. Sans déconner. Ah oui, alors là, faut l'éteindre. Donc c'était par là que je passais en fait. Ah, il était ajouté, c'est vrai que 128 seulement. Ouais, c'est ça, comme énorme. Quand tu fais les 4 niveaux de la suite, ça te débloque l'autre. Alors, par contre, voilà, ouais, c'est la merde. Voilà, parce que des fois, on tombe sur l'autre connard. Ça, je m'en souvenais. Wow. Bon, je prends les bombes, ça me sert à rien, je les avais toutes. Hop, 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 là. Tac, descend. Bon, l'autre truc de merde en son grand là. Oh merde. Allez. Voilà. Putain, on a entendu le tir, je l'avais tué sans déconner. Putain, en plus je vais me retaper l'endroit pourri que j'aime pas quoi. Chier bordel. Voilà, je vais tomber, puis si ça se trouve, il y aura un pauvre mec en dessous. Voilà. Oui. Là j'ai eu du cul. Hein. Franchement. J'ai eu du cul. Allez, hop. On va y arriver. On va y arriver. Donc, de toute façon, il faut descendre, sinon on voit pas le mec. Et il a décidé de rester à me faire chier là ou quoi là? Gros con. Connard. On avance pas dans la boue. Ça, sans doute. Je me rappelle plus. Hein. Je risque de crever. Hein. Ah si, ça me dit quelque chose. Faut que je les bute tous avec des bombes, je vais pas finir. Dernier, impossible, il me reste plus qu'une bombe après, donc sinon je crève. Possible. Mais là, c'est pas possible, je suis obligé de crever. Hein. Voilà. Putain, fais chier, bordel. Je suis pas réussi à te passer. Je me rappelle plus. Oh, c'est con d'avoir fait les 4 niveaux à la suite et de pas finir celui-là, quoi. Tant qu'à crever, je préfère finir au dernier, quoi. Manque d'entraînement. Là, je vais tomber sur l'autre con. Non, coup de bol. Sinon, j'ai une balle. Hein.
Ouh, aïe, aïe, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je vais pas y arriver, je le sens pas de toute façon. Putain, bah oui, voilà, c'est mort. Hop là. Game over. Tant pis. 4 niveaux à la suite, bah je serai mort avant le dernier. Comme c'est dommage. Merde, c'est pas ça que je voulais, putain, ta gueule. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Oh, bon, ça fait 2 heures de stream en même temps. Il est temps de s'arrêter. Hein. Il est temps de s'arrêter. Allez. Prochain stream, je sais pas quand. On verra. Ouais, merci, STG. Il y a un paquet de trucs dans la boîte. Version Ring 2 464. Ah bon? Il y a quoi? Il y a quoi? Tiens, bah, je vais les regarder. Je vais aller regarder sur ce PC Power. Dangerous 2. Package. Ce que je trouve nul sur ces PC Power, c'est que tu vois le package là, c'est juste le dessus des boîtes de scanner, tu vois pas les côtés des boîtes, tu sais pas la boîte quelle dimension elle faisait, tu sais pas comment elle était, si c'était en carton, en plastique. Je trouve ça nul, ça a aucun intérêt du coup. Goodies, un poster, bah y a que ça, y a qu'un poster, qu'un poster. Sur ces PC Power, y a qu'un poster. Hein. Bah de rien Xavier. Écoute. Je sais pas quand est-ce que je ferai un stream. Attendez, je regarde, j'ai peut-être. Ouais, alors peut-être le mardi 9. Oh, c'est loin ça. Ouais. Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, un truc comme ça. Ou, non, lundi 8, mardi 9, mercredi 10. Je pourrais faire des streams en fonction de la place. D'ailleurs, ce serait bien que ce soit pas tout le temps la même personne qui fasse des streams au passage. Tiens, je vous montre un autre truc. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Alors, ça n'a rien à voir avec le CPC, mais bon, ça a un rapport avec quelle époque. C'est un jeu de société. En fait, c'est un comment on appelle ça, un deck building. Avec des cartes et tout, c'est trop cool, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai fait une partie aujourd'hui avec Pauline, là. Trop cool. Dedans, t'as une BD cartonnée ou un truc tout pourri, photocopié en noir et blanc. La notice en sachet plastique, j'ai même le catalogue de 90. Ok. Bon, allez, je vous laisse le temps qu'il y ait le end scroll machin. Tiens, petit message, je cherche quelqu'un pour me refaire mon intro et le scroll final. J'ai la flemme de le faire. Alors, un truc un petit peu original. Voilà, bah ouais, Thomas, attends. Voilà, attends, allez. On a bien 5 minutes. Donc, hop, je remonte la boîte, qui est plutôt cool, hein. Sur les côtés, hop. Voilà, c'est les côtés de la boîte. Et en fait, vous voyez la note.
la notice, hein, c'est une notice, on s'en fout. La fameuse. Moi, je suis un gros fan de Saint Seiya, j'adore Saint Seiya. C'est le dessin animé qui a marqué mon enfance. J'aimerais beaucoup un jour faire un jeu Saint Seiya sur le CPC. Mais j'ai déjà trop de trucs à faire, donc en fait, je le ferai jamais. Déjà que j'arrive à finir ce que je commence. Donc il y a la fameuse horloge avec les petites flammes aimantées, s'il vous plaît. Puisqu'on va pouvoir affronter les chevaliers. Et donc du coup, j'ai vite fait comme ça quelques cartes. Voilà, donc c'est un jeu avec des cartes. Hein, si vous voulez bien faire la mise au point correct, voilà. Des cartes avec les différents personnages. Et ça joue comme tous les deck building. Avec oh, Chaka, j'adore Chaka. Donc avec des cartes que vous utilisez pour combattre les chevaliers les rallier à votre cause. Une fois que vous les avez ralliés à votre cause, ils font partie de votre jeu et vous pouvez jouer avec eux pour affronter des nouveaux ennemis. Voilà, donc il y a les chevaliers d'or, hein, bien entendu. Aphrodite, je sais pas si mon petit préféré il est là. Alors c'est marrant parce que moi je suis chevalier du lion, mais mon préféré, pas spécialement le lion, même si c'est un bon chevalier. Moi mon petit préféré c'est Camus, c'est le Verseau. Tiens, ST, je crois que toi c'est. Il me semble que tu es un fan de Saint Seiya aussi et que tu aimes particulièrement le Gémeaux. Hein, pour donner un ordre d'idée. Moi j'aime bien Camus. J'aime bien Camus. Alors, il y a les armures hein, aussi. Hein. Les armures toutes seules sans les. Oui, pour faire la mise au point cette caméra, putain. La mise au point, ça n'a pas. Oh. Ah, quand même. Voilà. Donc Camus, il n'est pas là. Il y a les chevaliers de bronze, il y a les chevaliers d'argent. Athéna. Des chevaliers dont je ne me rappelais absolument pas aussi. Il y a les chevaliers d'eau, là, les chevaliers mécaniques. Alors moi, je les ai virés du jeu direct. Dès que j'ai commencé les jeux, j'ai vu qu'il y avait les chevaliers mécaniques, là, de merde. Je les ai dégagés, je les ai virés. Je joue pas avec ces merdes-là. Cancer. Moi, Cancer, il est cool. C'est pas le meilleur, mais. Ah bah tiens, Camus, il est là. C'est mon petit préféré, ça. Et pourtant, je suis pas au Verseau. Hein. Cool, hein? Cool. Bon, chevalier d'argent. Voilà, bon, bref, ça rappelle des souvenirs aussi. Il est chiant, on peut pas faire la mise au point aussitôt, là. Je suis obligé limite de me mettre dessus. C'est peut-être parce qu'il y a des reflets sur les cartes. Parce que les cartes sont pas. Elles ont des couleurs spéciales, en fait, les cartes. Il va pas me faire la mise au point, ce connard. Bon, bah, tant pis, on s'en fout. Enfin, voilà. Il y a plein de personnages, même des personnages qui sont pas des chevaliers. Oh, lui, je me rappelle même plus qui c'est. Faudra que je regarde Saint Seiya, parce que là, pour le coup, je me rappelle plus qui c'est. Gigas, là. Oui, il va faire un petit point. Voilà, bon, bref. Voilà, c'était la petite parenthèse de fin de stream. Donc, c'est un jeu sympa. Vous cherchez, si ça vous intéresse, vous cherchez Saint Seiya Deck Building. Il vient de sortir, en fait. Il est sorti il y a. Pas très longtemps, il y a quelques jours. Hein. Ça coûte 30 balles en gros. En gros, avec les frais de port. Hein. Le jeu, il doit coûter, il doit coûter 26, 27 euros, un truc comme ça. Et avec les frais de port, on s'en tire pour 30 balles. Mais bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Là, j'ai joué aujourd'hui, c'était ma première partie. Et franchement, c'était cool. T'avais l'album en Panini, 300 images Panini, un double des parents en Vendée. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Vraiment trop cool. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse et puis bon, on va continuer à discuter sur le chat au pire. Et puis oh, putain, j'ai mal au dos là, nom de Dieu. Voilà. J'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai rien d'autre à vous montrer. Ah oui, Xavier, il est parti ou pas? Xavier, un petit truc qui va te rappeler des souvenirs.
Un jeu, il me semble que tu aimes bien. Alors là, c'est la version CPC, hein. Version cassette. Parce qu'en fait, j'achète plus que des cassettes. J'achète plus de disquettes parce que elles sont toutes mortes quand je les reçois quasiment. Donc j'arrête d'acheter des disquettes et puis j'ai qu'un seul lecteur disquette qui fonctionne encore. Sur les autres, il n'y a plus de courroie en fait. Hein. C'est pour qu'il fonctionne pas, c'est qu'il n'y a plus de courroie, mais j'ai pas envie de me faire chier. Hein. Donc j'en garde un histoire de rejouer à mes disquettes, un de ces quatre. Donc je l'ai montré, Laser Squad, je l'ai montré dans le précédent stream, hein, le stream de 89, vous aviez. Bon, je l'ai montré vite fait. Hein. Mais bon, j'en referai un stream sur au moins une mission, la première au hasard, ou deux missions. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas la deuxième. La deuxième, on casse les couilles là d'aller délivrer les persos, ça me fait chier. Je n'aime pas cette mission-là, elle est chiante, elle est longue. Mais voilà. Allez. À bientôt. J'avais oublié de couper l'audio du bureau, ça a dû faire une musique toute dégueulasse. Allez, bisous les filles.